à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo cuisine. On va faire un gâteau à l'aveugle, c'est-à-dire qu'on va prendre plein d'ingrédients qu'il y a dans un gâteau habituellement. On va mettre un goût et en fait, ben, on va le goûter. J'ai trop peur. Donc il faut 2 œufs, de la farine complète ou blanche, bon nous on a que de la complète, de la levure chimique, bon moi c'est de la levure de boulanger, un arôme de vanille. Finalement, je vais faire dans ça, c'est très très petit, profond, du coup, je vais enlever un œuf. La moitié d'un yaourt nature et du sucre. Voilà! Donc, c'est parti. Donc, on prend. Allez, on va faire à la valagaine dans un tupperware. Donc, on casse. Mince, attendez, je vous décale un peu. On casse l'œuf. On va mettre. C'est franchement la wallagaine, hein. Je me suis dit, allez, je voulais faire des pancakes de base. Et en fait, ben, il n'y a plus de lait parce qu'on part en vacances là. Et voilà. Hop, un petit peu de yaourt. Je le finirai avec du sucre, ça sera très très bon. Un petit peu de farine. Voilà. Ouh, la cuillère. Il y avait de la cuisse. Voilà, juste un petit peu. Juste pour dire d'en mettre en fait. Voilà, ensuite il faut le sachet de levure que je n'arrive jamais à ouvrir, c'est super génial. Voilà, c'est un petit gâteau à l'aveugle, mes parents ne sont pas là, bah autant en profiter, hein. On va se mettre la vie sauve. Voilà, et un petit peu de sucre quand même. Ça. C'est le but d'un gâteau, voilà, on n'hésite pas. Et puis l'arôme de vanille. Je n'arrive jamais à ouvrir, bien sûr. Ça pétille. Et voilà. Je vous retrouve après cuisson. Ah, je vais le déplier. Oh, ça m'a l'air un peu dégueulasse par contre. Bon, je touille à la main alors que j'ai un batteur, mais j'ai pas envie de le salir alors qu'on part en vacances. Hein. On va peut-être pas faire ça alors que je pars après-demain, enfin on va dire demain quoi. Parce que je pense que je vais monter la vidéo et la publier direct. Oh, ça a l'air dégueulasse, mais dégueulasse. J'ai très peur. Bah, ça sent bon, hein, mais la texture, je sais pas si vous voyez, on dirait du caca. Bon, ça a la texture d'un gâteau déjà. Ça c'est pas mal du tout. Et hop. We love so fully, but I'm afraid to forget. Ça fait à peu près 6 minutes que je l'ai mis et ça n'a rien fait. Je vous montre, il n'y a rien qui s'est passé. Donc voilà, je ne sais pas ce qui s'est passé, je vous montre. C'est trop bizarre. Ça fait 7 minutes, je crois. Oh, je suis forte en maths. Ceci est une blague. Je pense rajouter quelques minutes quand même. Faire, attendez la mise au point. Ouh. Bon, ça va pas faire la mise au point. Voilà, comme ça c'est pas mal. Super. Alors en fait, attendez, voilà, comme ça c'est pas mal. C'est bon. Alors en fait, je voulais vous parler vite fait du gâteau. C'était dégueulasse, clairement. Ça n'avait pas de goût. C'était, on sentait la vanille, j'en avais mis trop. Bref, c'était une catastrophe. Je suis en train de m'étouffer actuellement en live. Du coup, je vous conseille pas de faire la même recette, hein. Clairement, allez se faire sur Marmiton ou faites un truc, quoi. Enfin, suivez une recette. Ne faites surtout pas comme moi. Donc, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao! Je tenais énormément à vous remercier sous la vidéo des fournitures scolaires. Vous avez eu.
Vous avez été au taquet, je crois que vous avez eu quelque chose qui vous a donné envie de regarder cette vidéo. 313 vues et 15 likes. 15. Franchement, merci beaucoup. J'ai laissé un mot sous la vidéo, un commentaire. Donc je vous invite à aller le voir parce que j'y ai mis tout mon cœur. Je vous fais de gros bisous. Bisous! Petit bêtisier au passage. Alors du coup... Oh, on voit mon nez, on voit trop mon nez. Alors du coup... Pourquoi j'ai... Attends. Alors du coup, il était dégueulasse. Non, ça va pas, il était dégueulasse. Si, ça va. Alors, c'était dégueulasse, clairement. Attendez. Ah non, je suis pas dans l'angle, attendez.